Coucou à tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui ce sera une toute nouvelle vidéo, une recette de slime. Sachant que aujourd'hui j'ai fait un autre slime. Voilà, donc c'est celui-là avec des diamants pink. Voilà, donc il est dispersé en 4 parties. Il me reste une petite place pour faire un joli slime avec de la neige artificielle. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de slime très facile chez Voarez. Pour ça, il va falloir de la colle Cléopâtre. Vous le versez dans un bol et de la lessive mire. Voilà, donc, ça s'écrit M-I-R. Voilà. Ensuite, vous mettez la colle, vous mettez la lessive et puis vous mélangez. Et moi, ça fonctionne super bien, regardez. Là, c'est juste que j'ai versé ma lessive dans ce truc. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du shampoing, c'est de la lessive, sauf que je l'ai versé ici. Vous mélangez et normalement, ça vous donne ça. Voilà. Vous le touillez, après, vous le touillez bien. Ensuite, vous rajoutez un peu de lessive. Voilà. Vous mélangez, donc bien. Ah, attendez, j'ai peur qu'on ne le voie pas. Voilà. Vous prenez bien sûr un bol. Hein. Et normalement... Ah oui, je me suis fait les ongles, mais c'est un trou. Normalement, ça doit plus coller. Je vous redis encore une fois que... si vous voulez bien fêter l'anniversaire demain, écrivez-moi en commentaire. Et demain, il y aura une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je fête un petit peu mon anniversaire, mais rien du tout en fait. Voilà. Parce que tout simplement, demain, c'est mon anniversaire. Et devinez quel âge j'ai. À vous de voir. Et je vous dis pas. Voilà, il est déjà formé en main. Oh, je sais pas comment on dit pinceau. Voilà. Voilà. Et maintenant, il faut le touiller. Franchement, touillez-le bien parce que... vous voyez, il commence à coller. C'est normal qu'il est blanc, mais si vous le laissez plusieurs jours sans le toucher, il va devenir complètement transparent. Mais moi, comme je veux pas faire un slime transparent, parce que je l'ai un juste ici, et du coup, je l'ai pas touché aujourd'hui, j'ai envie qu'il soit transparent. Du coup, je vais juste aujourd'hui rajouter de la neige artificielle. Alors, je vais vous montrer. Bon, il est un peu collant. Ok, c'est normal. Hop là. On va tout prendre. On va tout prendre aussi sur le bol. Parce qu'il y a encore la lessive, du coup. Oh là là, aujourd'hui, il y aura... Ça fait presque 3... Non, 2 vidéos. Donc celle-là et plus l'autre où je me suis mis collé du slime dans la tête. Dans mes cheveux. Mais bon, c'était finalement bien passé. Ça remarquait pas, mes parents n'ont pas encore vu. Donc je pense que... Non, ça se verra pas de toute manière. Voilà, ça se voit pas du tout. En plus, j'ai regardé beaucoup de fois dans le miroir, ça se voit pas. Donc... Je suis contente, on voit pas. Ouais, c'est exactement quand vous enlevez vos cheveux dans votre brosse. Quand vous brossez. Exactement la quantité. Que j'ai perdu 2 cheveux. Regardez. Magnifique. Ouais, it. Crevec. Rapidement. Balayette. Non, c'est... Coup de tête balayette, un truc comme ça. Ah, il est trop bien. Bon, un peu petit, ok, mais
trop bien. Le plus mieux, ça va être qu'on va mettre la neige artificielle pour voir s'il va être crunchy. Crunchy, ça veut dire bah, qu'il va faire du bruit. J'ai tellement envie qu'il fasse du bruit. Parce que celui avec les diamants, ok, il est satisfaisant qu'on va le toucher, mais les diamants ne collent pas assez bien sur le slime. Alors, du coup, voilà mon slime. Coucou, je vous vois. Super, super, super. Poc, poc. Et maintenant, le dernier. Enfin, je vais rajouter un peu de lessive. Beaucoup de lessive. Mais bon, bref, vous rajoutez un peu de lessive. Demain, c'est mon anniversaire. Bon, peut-être que les commentaires vont être bloqués. Donc, je vais vous dire l'âge que j'aurai. 12 ans. 1, 2... 12. Voilà, j'ai 12 ans. Bon, voilà. Je veux pas aussi qu'il soit beaucoup trop. Trop ça. Donc, je voudrais plus qu'il soit collant pour que la neige puisse coller. Donc, je vais racheter. Un petit peu d'eau, donc ça en fait c'est de l'eau, c'est pas de gel hydraulique. Vous voyez que c'est de l'eau. Oula! Voilà pour le faire un petit peu collant. Oulalalalala. Je vais en racheter un peu beaucoup, non? Bon, désolé. Et voilà, du coup, bah c'est bon. J'ai eu mon slime. Voilà, bon. Il est transparent, mais pas beaucoup, mais il sera encore. Plus si le slime veut bien qu'il soit un peu transparent, ça on sait pas, c'est au choix du slime, c'est pas mon choix, c'est au choix du slime. Du coup, je vais l'étirer un peu pour pouvoir mettre la neige artificielle. Ah, j'ai hâte d'être demain parce que demain à l'école c'est journée compte. Donc c'est parti pour mettre notre neige artificielle. En fait, la neige là que je viens de mettre, en fait, c'est un peu comme du plastique coupé. Enfin, je sais pas si vous remarquez, mais c'est un peu du plastique coupé. Genre, c'est pas vraiment la neige, c'est du plastique coupé. Du coup, c'est ça qui fait la neige artificielle. Ah, j'ai hâte de voir si ça va faire, je sais plus trop comment ça s'appelle, ce genre de slime avec la neige. Un slime crunchy, non pas un slime crunchy, une bleque, un truc comme ça, je sais plus comment. Il est trop bon, on dirait du sel et tout. Non mais attendez. Il est magnifique. Bon, je pense qu'on n'en a pas assez, donc profitons. Voilà, je pense que ça suffira. C'est parti. Alors là, c'est un moment ASMR, donc écoutez bien.
Bon, voilà. Voilà, c'était tout simplement un jeu de slime avec de la neige artificielle. Donc, le slime n'est pas très tentante parce que... Mais je suis contente que la neige artificielle, elle reste bien à l'intérieur. Donc, il est... En plus, il est tellement doux. Ah, Docteur Mabi, j'aimerais bien vous donner une part. Si tu regardes cette vidéo, tu sais de quoi, de qui je parle. C'est juste un ami, enfin, quelqu'un dans ma classe qui s'appelle... Enfin, pas qui s'appelle Docteur Mabiche, mais tout simplement je l'appelle comme ça. Et du coup, bah... Ah, mais regardez. Attendez, j'ai pas... Non, j'ai pas Docteur. Ah, là, ça me colle. C'est pas grave. On va tenter ça. On dirait, vous savez, des sushis là quand vous les mangez. Ah mince. Bon, la neige n'en reste pas beaucoup, mais c'est plutôt satisfaisant. C'est un peu dur sur le slime, mais bon. On a le rose-cour, une crème. Qui sont aux bonbons de pomme. Oh là là, mon chien. Il y a Mignon qui aboie parce que à chaque fois il voit un chien qui passe et puis du coup là, ça commence. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais bon. Oh bébé, tiens, même la journée il fait ça. Il arrête pas de griffer la porte pour qu'on le laisse dans la maison. Oh, attendez, je sais pas si vous allez voir, mais tellement comment il est satisfaisant et tout. Il est trop bien. Mais je sais pas s'il va rentrer d'ailleurs dans la boîte, je pense pas. Parce que le pot est tellement minus, alors je pense pas trop qu'il va rentrer. C'est pile poil, hein, je dirais ça. Voilà. C'était pile poil. Regardez mes couleurs. Donc c'est celui-là que je vous parlais qui est transparent. Après on a celui-ci qui est tout minus. Lui aussi il est trop bien. Un peu minus et un peu câlin. Regardez, il est trop bien. En plus il est trop transparent, ça c'est cool. Ensuite on a celui-là, donc c'est celui-là qui m'a collé aux cheveux, mais au moins il est trop bien. Regardez. Il est un peu genre métallique et tout. Donc il y a trois parties en général, il est plus grand, il n'y a pas que ça. Mignon! Arrête bébé! Voilà. Et le transparent, j'ai pas envie de le montrer parce que... J'ai envie qu'il soit transparent. Et c'est celui-là que je vous parlais avec des diamants. Bon, les diamants ne restent pas finalement, mais il est trop satisfaisant. Dommage que les diamants ne puissent pas rester autant longtemps. Oh, lui, il est trop satisfaisant. Ah bah attendez, j'ai une idée. Ah non, 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 pas sur... Non, pas s'il te plaît, petit riz. Ah bah lui, je vais l'appeler... Donc lui, je vais l'appeler la mère. Lui, le riz. Le transparent. La Barbie, parce que c'est rose. Et lui, le diamant. Le diamant painting. Oh non, arrête de te coller au riz. Bon, arrête, tu vas sortir un peu. On dirait, franchement, Harry, dès que tu le mets, tu le sors dans ce compartiment. Ah, le diamant me colle trop. Vous voyez, finalement, les diamants s'enlèvent. Ça, j'aime absolument pas parce que les diamants collent.
Voilà. Ah, il y a un diamant encore. Je sais pas combien de diamants j'ai mis à l'intérieur. En tout cas, attendez, je vous montre le nombre. Toi, tu devrais attendre le nombre de diamants que j'ai mis. Attendez, je vais les racheter parce que lui, il y en a qui voudrait encore un peu de la neige. Voilà. De bordel. Attendez. Voilà. Bon. Je vais quand même assez vous montrer le slime. Hein. Voilà. Pour que vous puissiez voir. Après, en commentaire, vous allez me dire « Oh, mais on n'a pas vu le slime jusqu'à la fin. » Satisfaisant. Ah, mais il est un peu chiant. Mais... Attendez, je vais rajouter un peu de lessive parce qu'il commence à me saouler. Il est trop bien, on dirait la noix de coco. Ou noix de coco, je peux l'appeler. Non, le riz parce que j'aime trop. Comment on dit, du coup, bah... Mon petit riz. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas testé à faire une recette de slime. Mais au final, j'ai trouvé la meilleure recette. Bon, voilà. Oula. Voilà le slimery. Aujourd'hui, c'est simplement une vidéo d'une recette d'un slimery. Trop satisfaisant. Ah, il me colle partout. Voilà. Alors, et c'est parti, on va le remettre dans son pot. On va le diviser par deux d'ailleurs. Oh non! Oh non! Il s'est collé au slime là. Slime bleu, attendez, je vais vous montrer. Oh, mais ça me saoule quand ça colle. Regardez, il s'est collé. Ça doit pas donner un beau slime. Ah non, regardez, c'est beau. Peut-être que je vais rajouter dans celui-là aussi. Non. Enfin, on va le gâcher, regardez, mais il est beau. Voilà des petits morceaux. Bon. On va les laisser tranquilles, mes bébés slime. On ferme. Et voilà, ma petite boîte est remplie. Du coup, voilà, je vous quitte ici pour cette vidéo. Nous, on se retrouve pour une autre vidéo. À demain!